En fait, le bio, c'est un choix. Voilà. Donc moi, je suis une incorrigible gourmande. J'aime les bonnes choses. J'ai été élevée dans une famille où on passait plus de temps dans la cuisine que dans nos chambres. Voilà, donc ça, c'est quand même important aussi d'avoir des bonnes bases, on va dire. Des gens qui cuisinent autour de vous, qui vous apprennent des choses et puis qui n'ont pas envie de manger n'importe quoi. Donc j'ai eu une jeunesse un petit peu, on va dire, différente, puisque j'ai été élevée dans une des plus grandes villes du monde, où c'est formidable, parce qu'on a des cuisines qui viennent du monde entier. Bon, voilà, mais on a aussi une grande variété de produits, donc j'ai appris à aimer aussi les choses différentes et à sortir du cercle infernal des pâtes de riz et des patates. Et donc c'était marrant aussi de manger beaucoup de légumes, des grosses, grosses bananes qu'il fallait cuire, par exemple, des choses comme ça que mes parents aimaient bien expérimenter. Donc c'est vrai que la cuisine, c'est aussi une exploration, des inventions. Et puis après, quand je suis revenue en Bretagne, eh ben, j'étais tout de suite attirée forcément par des gens qui élevaient des animaux, faisaient des légumes, etc. Puis quand j'étais étudiante, on allait dans le Léon, dans le Finistère, là-bas, et puis on donnait un coup de main dans les fermes. J'avais des copains qui avaient des parents qui étaient agriculteurs, et puis on allait, on ramassait des échalotes dans les champs de Plouneville-Locris, par là-bas. Et puis quand on partait, on nous donnait demi-cagette d'échalotes, et puis en nous disant, mais celle-là, c'est pas celle que vous avez ramassée, ça, c'est celle de mon jardin. Celles-là, elles sont bonnes. Je me disais, bon, j'avais 17 ans, je me disais quand même, mais pourquoi ils vendent des choses qui sont pas bonnes? Alors, je comprenais pas très bien. Et puis petit à petit, je me suis aperçue qu'il y avait des choses qui me surprenaient un peu quand j'étais jeune maman, par exemple. J'allais dans les grands magasins, maintenant je ne vais plus, alors je ne sais plus si c'est toujours pareil, mais à l'époque, il y a 20-25 ans, j'étais toute fière comme tout le monde. Ah, il y a une grosse supérette qui s'est montée, voilà, en profusion de choses, formidable. Et puis je rentrais dans le magasin, et puis ça sentait pas très bon, déjà pour commencer, et je trouvais étonnant que quand on passait devant les fruits et légumes, il n'y avait pas d'odeur. Voilà. Je me dis quand même, mince, il y a des melons, il y a des fraises, il y a des pommes, il y a des poires, plein de légumes, puis pas d'odeur, ça sentait rien. Et je me suis dit, mais comment on peut faire de la cuisine avec des choses qui sentent rien, quoi? Donc tout ça fait qu'à un moment, on réfléchit un peu, puis on se dit, bon, on a envie de manger des bonnes choses, déjà pour commencer, puis tant qu'à faire, tant qu'à manger des bonnes choses, vaut autant qu'en plus, ça nous fasse du bien. C'est-à-dire, les bonnes choses font du bien, et c'est vrai que j'ai pas vraiment pensé à la santé au départ, je pensais juste goût. Puis petit à petit, on s'aperçoit quand même, il n'y a pas que le goût, quoi. Il y a aussi le fait que, eh ben, si vous faites un magnifique ragoût de légumes avec plein de pesticides dedans, ben, c'est pas top, quoi. Et finalement, on s'est aperçu que nos enfants, de temps en temps, faisaient des allergies, ou les enfants autour de nous avaient des petits trucs qui ne collaient pas, ou des copains qui arrivaient en disant, tiens, j'ai un eczéma, comment ça se fait? Alors, ils allaient voir le médecin, il dit, ah, ben, il faudrait arrêter ci, il faudrait arrêter ça, puis avant, il fallait arrêter tout. Donc je me suis dit, ben, arrêtons tout et changeons. Voilà. La parole à Anaïk, oui. Je voulais juste parler un peu de la viande. Bon, une chose est certaine, c'est qu'on a besoin de protéines. Et quelquefois, moi je préfère. Je ne suis pas une très très grande mangeuse de viande, parce que c'est par goût. J'aime moins la viande que les légumes, les céréales. Bon, voilà. Mais je trouve que quand on commence à manger en bio, et qu'on fonce dans les biocoop, dans les magasins, etc., on a une tendance à faire une consommation de soja pour remplacer la viande, et moi, ça m'énerve vraiment, quoi. Parce que le soja, il vient pas d'ici, déjà, d'une part, et quelquefois, je préfère manger un bon morceau de viande qui vient de mes copains qui sont là, par exemple, ceux-là, moi, je peux dire que je connais leur viande, et je trouve ça moins choquant que d'aller acheter des trucs à base de soja qui viennent de Pétangenaud. Donc, quelquefois, il faut coller à son territoire, coller à l'endroit où on est, et moi j'ai pas envie de voir mes copains arrêter leur boulot juste parce qu'on va tous commencer à manger de l'herbe, quoi. Voilà. Moi j'aime bien les bonnes choses et je préfère avoir un bon rôti de porc de temps en temps. Et justement, quand on commence à manger de la viande bio et qui est bon au juste prix, parce que le juste prix c'est celui qui paye le paysan qui la fabrique et qui vous permet à vous aussi de manger, et ben je préfère en manger un peu moins de la bonne et pas me fourrer du soja à tour de bras dans mes repas, quoi.